langue bleue. Et voilà, vous pouvez y aller, monsieur Beaver. Mais évitez le bois fossilisé pendant un certain temps. Voilà, Sprint. C'est l'heure de fermer. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Et si tu... nettoyais un peu. Oh, d'accord. Je n'ai pas voulu inquiéter Sprint, mais une langue jaune vive, ce n'est pas normal. Lèvres, luette, larynx, langue. Oh, c'est pas bon, pas bon du tout. J'ai fini. Oh, quelle maladroite. Regarde, un martien. Un quoi? C'est sûrement mon imagination. Peux-tu remettre des boules de coton, s'il te plaît? D'accord. Traitez immédiatement si les symptômes une langue verte. Oh, oh non! C'est plus grave! Ne paniquez que si la langue finit par devenir... bleu! Oh non! Une sucette? Alors voilà pourquoi ta langue prenait différentes couleurs. Trop bon! J'étais tellement inquiète. Je croyais que tu étais malade. En fait, tu avais raison. Trop de sucettes, c'est ça? Et voilà! Merci! Mais... qu'est-ce qu'on a de la chance! Nous pouvons nous occuper du camion de glace pendant que les pingouins participent à la course dandinante annuelle du glacier enchanté. Carottes goyaves, mes parfums préférés. Oh, attends, nous sommes censés faire de la glace, pas la manger. Oups, pardon. Heureusement que j'ai fabriqué ceci. Oui. Devenir nos pauvres amis pingouins. Si on utilisait la machine brise-glace. Excellente idée. Cette machine emporte les vents de l'Arctique jusqu'ici depuis le glacier enchanté. Vite, remettons-la dans la glacière. Voilà qui est fait. On a réussi. Victoire. Nous avons bien mérité une récompense. Une glace? Non merci, surtout pas. Trop de feuilles. Félicité et Flic vont adorer nos hamburgers aux carottes et notre délicieux gâteau aux carottes pour le dessert. Regarde. Oh non. Mais où sont passées toutes nos carottes? Nous n'aurons pas d'autre récolte avant des semaines. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'en sais rien, Twist. Qu'allons-nous faire de toutes ces feuilles, Flic? Bon, quand on ne peut pas gagner, autant participer. C'était très amusant, mais nous devons toujours ratisser ces feuilles. Felicity, Flic, il faut annuler le dîner de ce soir. On dirait que la journée de tout le monde ne se passe pas comme prévu. Que veux-tu dire? Nous avons beaucoup de feuilles et aucun endroit où les mettre. Alors j'ai la solution idéale à nos deux problèmes. Le compost. Rien de mieux que des feuilles mouillées pour aider les légumes à pousser. Mais il faudra quand même des jours avant d'avoir de nouveaux légumes. Tant pis, nous n'en aurons pas pour le dîner. Je suis désolée, j'ai déçu tout le monde. Pauvre Brie. Et pourquoi pas un peu de magie? Oh, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Un petit sortilège lui remontera sûrement le moral. Waouh, ces feuilles sont vraiment magiques. Jamais je n'aurais imaginé que mes légumes pousseraient si vite. Bon appétit. Prêt? J'adore ton idée de faire ton portrait en pleine action, Flic. Ai-je l'air plus aventureuse comme ça ou comme ça? Comme ça. Maintenant, ne bouge plus. Je vais t'aider à capturer mon côté aventureux. Tu te souviens quand nous avons exploré ce récif de corail? Nous avons nagé pendant des heures. Nous avons eu du sable dans la fourrure pendant des jours. Oh, et
avons grimpé et grimpé et grimpé. Puis nous avons sauté en parachute. Tu te souviens? Nous avons sauté du haut du sommet escarpé. La vue était magnifique. Nous avions l'impression d'être des oiseaux en plein vol. C'était une aventure merveilleuse. Ou... tu sais ce qui serait encore mieux? Que je tire à l'arc ou que je fasse de l'escrime. Oh! Tu sais ce qui serait encore mieux que tout ça? Attends! C'est fini! Oh! Laisse-moi voir! Oh oui! J'adore! C'est un tourbillon! Exactement comme moi! Oui. Regarde de plus près! J'adore les balades du matin. Il y a tant de choses à voir. On fait la course. Je l'ai fait exprès. Mais bien sûr que tu l'as fait exprès, Sri. Oh, quelle jolie fleur. Wow. Hey, qu'est-ce que j'ai raté? Regarde-la de très près et tu auras une jolie surprise. La feuille a éternué. Ce n'est pas une feuille. Regarde de plus près. Waouh, des papillons. Tu vois tout ce qu'on peut observer quand on ralentit un peu. Que c'est beau. Oh, il veut faire la course. Oui. Courons. Je l'ai fait exprès. Mais bien sûr, Sprint. Le costume de Flap. La boutique du Bec Pain est officiellement fermée pour la journée. Donc, tu as tout le temps de répéter ta chanson avant le grand concert de ce soir. Commençons tout de suite. Mais je n'ai rien entendu, Flap. Flap, n'aurais-tu pas un peu le trac pour le concert de ce soir? C'est normal, tu sais, tout le monde a le trac parfois, même moi. Et tu sais ce qui se passe quand j'ai le trac, hein? La 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 la! La 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 la! J'ai une idée. Rien de tel qu'une nouvelle tenue stylée pour retrouver toute sa confiance en soi. Tu vas voir, c'est le moment d'accessoiriser. Accessoiriser? Non, non, aucune de ces tenues ne te va, Flap. Mais il y a encore une chose que nous n'avons pas essayée. Que je suis bête. Comment n'y ai-je pas pensé avant? Ah. Tu es tout simplement magnifique tel que tu es. Ah. Ah, hein, tu n'as aucune raison d'avoir le trac. Ah. La 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 la. C'est l'heure de la sieste. Wow, c'était une jolie chanson. Et si je la chantais pour Kepper? En écrivant mes chansons, où peut bien être Kepper? Je veux respirer des bonnes odeurs, des fraises au lever du soleil. Il faut toujours un solo de batterie. Rien de tel qu'une berceuse. Kepper est si gentille. Elle est si gentille.